Bonsoir tout le monde, c'est toujours un plaisir pour nous informer. Bienvenue dans la deuxième sortie, journal 8 en juin pour semaine ça. Quelles conditions temps y est pour aujourd'hui? C'est tout de suite avec prévisionniste Wilner Polidor. Bonsoir Wilner, dis-nous qui j'en sais. Merci tout le monde pour fidélité avec attention. Comment conditions météorologiques et sous région, faut que nous dit tout le monde, faut que poser parce que pas qu'un cyclone dans ce pays d'Haïti. Et situation qui gagne, c'est par rapport avec la zone de haute pression qui sous Atlantique la cap provoqué quelques activités là. Mais pas de cyclone sous pays d'Haïti, gens que ça a circulé sur les réseaux sociaux. Et en avant comme si vous le dire. Nous avons un chrono qui est en surface qui décale de l'île d'Haïti qui trouve au sud de Cuba. Et nous avons toujours un coup qui au nord pays d'Haïti. J'en ai sous image satellite, la région, département de Grenade Sud gagné quelques activités convectives, mais au cours de soirée et par rapport avec masse humidité à cap décalé vers l'ouest, nous pourrons gagner un temps qui est plus ou moins stable sous pays d'Haïti, même si masse d'air a été plus ou moins humide. Nous avons gagné encore aujourd'hui à quelques activités la pluie, mais c'est activité à cap faible à modéré, surtout sous région sous pays d'Haïti, département de l'ouest. En après-midi et en début de soirée, mais au cours de nuit, c'est la région dans le pays d'Haïti qui a gagné quelques activités là. C'est vraiment activité là. Il fait pas modérer, qui est même isolé avec quelques coups de l'orage. Cela veut dire pas gagner trop de soucis pour le pays d'Haïti, je veux dire, sauf que activité là. Toujours qu'il y a, même si c'est quelques activités avec qui faible à modérer sous le département que nous sommes cité là. Mais à partir de demain, on a commencé à gagner un temps qui est très clément avec bel soleil en journée et quelques averses en soirée. Mais c'est vraiment très isolé avec faible à partir de demain parce que le matériel a la plus ou moins humide et à plus ou moins stable sous le pays d'Haïti. Et pour jeudi, il y a une nouvelle anthropicale qui arrive sous pays. Et anthropicale, ça a provoqué quelques averses modérées sous pays d'Haïti. Et Jean-Noël, majorité département a concerné par activité la pluie jeudi, mais c'est par rapport avec une nouvelle anthropicale qui a traversé pays d'Haïti jeudi soir. Pour capitale avec zone qui a mis au son capitale qui toujours avec un temps qui nuageux et nous prévoit quelques activités la pluie pour après-midi et même en soirée, mais à partir de demain, on a bien un temps qui est très clément sous Port-au-Prince avec zone qui a mis au mais pour jeudi, si elle a nuageux en journée avec possibilité pour quelques averses isolées qui sont capables faibles sous capitale avec zone qui a mis au nous avons une température jeudi à 33 degrés Celsius, ça fait un peu chaud sous capitale avec zone Cagliari. Et puis la descente, c'est 22 degrés pour jeudi. La mer est très belle et même peu agitée sous plusieurs côtes. Cela veut dire que côte nord pays d'Haïti avec golfe de la Gonave, capitaine n'a pas eu trop de soucis pour naviguer parce que la mer est belle à peu agité, mais c'est sous côte sud d'Agen Noël. On va capter jusqu'à 20 nœuds et avec hauteur vague qui va 6 pieds sous côte sud d'Allemagne des Capitaines. Précaution parce que la mer n'y a pas agité sous côte sud pays d'Haïti et page astronomique. Sur la première vie à 6h48 et la levée de matin à 6h38. Merci pour finir avec attention. On a croisé demain pour l'autre page météo. Bonne fin de journée ou bonne soirée à chacun de vous. Merci Wilner et bonne fin de journée à vous-même tout. Dans sa cap domine actualité à Maître Jean-Henri Séan, Premier ministre Tournef pays d'Haïti, investi officiellement dans le poste lundi 17 septembre dans le cadre d'une cérémonie qui déroulait dans le palais national. C'était occasion pour le président de la République, Jovenel Moïse, remettre ampliation par le nouveau Premier ministre et membre cabinet ministériel. Maître Jean-Henri Séan franchi la dernière étape pour lui rentrer dans primatia pendant le week-end 14 pour rentrer 16 septembre qui se passe là avec ratification politique générale devant Sénat République là avec Chambre députée. Nous invitons aussi un reportage avec Sabine Jean-Étienne et puis Jean-Ariel Duvernay. Désormais, homme politique, notaire Jean-Henri Séan, 61 l'année, 22e Premier ministre, président Jovenel Moïse. Il est remplacé dans le poste, Dr. Jacques Guy Lafontaine.
Maître Jean Risséan applaudit tout sacrifice chef l'État fait pour arriver à nommer un nouveau premier ministre dans le pays. Pendant le chef gouvernement dit, il est conscient de l'urgence moment et puis il garantit le pape dormi sur tout travail qu'il doit faire pour créer stabilité sociale et politique dans le pays. Certaines règles essentielles basées sur la culture de résultat devront imprégner l'action gouvernementale en vue d'accroître ses chances de succès. Le gouvernement aura un tableau de bord permettant de suivre l'évolution des résultats à atteindre selon les priorités définies dans le temps imparti. Les feuilles de route seront actualisées en conséquence et déclinées en actions assorties d'indicateurs clés et de délais. Nous ne pourrons jamais obtenir de nos collaborateurs des performances et des résultats si nous ne donnons pas cet exemple. Le Premier ministre que je suis ne fera pas exception. La satisfaction de l'usager sera notre boussole dans le fonctionnement de l'appareil d'État. Nous observerons une équité méticuleuse vis-à-vis des agents et des usagers pour que chaque citoyen reçoive ce qu'il mérite. Mise en place nouveau gouvernement ça dans tête pays a ses résultats plusieurs consultations président Jovenel Moïse à divers secteurs dans vie nationale là spécialement à président de branche parlement dans intervention le chef l'état a demandé premier ministre pour mobiliser sur plusieurs projets pour soit initiative administration là était déjà à travail et spécialement dossier utilisation fonds Petro-Caribéa pour assurer pas une droite politique qui entre dans démarche ça qui réservé à la justice pays d'Haïti. Les chantiers qui vous attendent sont difficiles, mais exalts. Ils vous ont été énumérés dans d'autres circonstances. En prenant les bonnes mesures, nous pouvons durablement et positivement changer les conditions de vie de la population. Vous devez réussir à trouver et signer avec le secteur privé des affaires un pacte pour l'emploi et la croissance inclusive. Trouver une solution durable à la question du salaire minimum. Permettre au pays d'avoir une assurance médicale universelle et obligatoire. Accélérer les travaux en cours dans le domaine des infrastructures énergétiques, agricoles, routières, hydrauliques, etc. Trouver le mécanisme financier approprié pour la construction des salles de classe manquantes afin que tous les enfants en âge scolaire rentrent à l'école dans de bonnes conditions et y restent. Encadrer et continuer les travaux entrepris dans le cadre de la réforme de l'État. Appliquer strictement l'arrêté sur la réduction du train de vie de l'État. Prendre les mesures appropriées pour la résolution des crises sociales dans les quartiers. Améliorer les conditions de travail des forces de sécurité et vous assurer que la nouvelle armée en construction soit mobilisée dans le vaste chantier de réhabilitation de l'environnement. Le Premier ministère doit permettre à la nation de voir clairement ce qui s'est passé dans l'utilisation des fonds du Petro-Caribé. C'est trop chirépite dans le pays déjà. Trop chirépite déjà. Pour venir l'autre chirépite encore sur un nouveau dossier. Pour nous dépolitiser le dossier. C'est le week-end qui s'est passé là, M. Jean Risséan franchit étape ratification politique générale li devant deux branches parlement, sorti 14 pour le 16 septembre 2018 là. 21 sénateurs votés pour, 5 votés contre et puis 2 sénateurs fait abstention. Dans la chambre basse là, 84 députés votés pour, 5 votés contre et puis 4 députés fait abstention. Toujours même dossier ça, président République là, Jovenel Moïse, installé nouveau premier ministre là, M. Jean-Henri Séan en poste lundi 17 septembre là. Nouveau chef gouvernement a renouvelé volonté et détermination pour servir pays pendant lui remercier chef l'État pour confiance qui passe dans lui. Je vous invite à notre reportage avec Anne-Marguerite Auguste et puis Mobile TNH. Cérémonie ça a été occasion pour le premier ministre sortant, Dr. Jacques Guy Lafontaine, dresser bilan différentes activités qui réalisaient dans le gouvernement pendant 18 mois passés dans la primature. Ancien premier ministre, il reconnaît qu'il a fait face à une situation difficile.
C'est pour raison ça, l'équipe qui a dirigé a pris engagement pour entreprendre la réforme institutionnelle là, créer stabilité politique et sociale dans l'objectif pour arriver à améliorer les conditions de la population. Dans ce sens, il souhaitait le nouveau chef gouvernement suivre trace des décisions qui commençaient pour faciliter l'apaisement social. Monsieur le Premier ministre, vous le constaterez par vous-même, dans la logique républicaine de la continuité de l'État, nous mettrons à votre disposition ce riche bilan de l'administration Moïse Lafontaine, que vous aurez vous-même l'opportunité d'apprécier la réforme institutionnelle de l'État, le lancement de la réforme du système de santé, les efforts de redressement du système éducatif, l'initiation de la lutte contre le déboisement et la déforestation, la mise en place de grandes infrastructures routières, l'initiation d'un vaste et ambitieux programme d'électrification, la valorisation et la compétitivité de l'agriculture haïtienne, la marche impérieuse de la caravane de changement, la mise en place d'une ébauche de protection sociale, la lutte contre la corruption, les efforts de redressement, de rationalisation de la diplomatie haïtienne en constituent la trame essentielle. Nouveau Premier ministre, M. Jean-Henri Seyan, dit le coin de la vision président de la République là. À travers vision ça, il renouvelle l'engagement, la détermination pour servir le pays. M. Jean-Henri Seyan rappelait événement 6, 7 à 8 juillet, montrer méfiance population vis-à-vis dirigeants. C'est pour ça qu'il a annoncé l'équipe la dirigée après le travail sans prendre souffle pour satisfaire les revendications de la population. Il est donc de mon devoir de vous rappeler les éléments principaux de l'action gouvernementale. L'organisation des élections de 2019 pour assurer l'alternance politique. La mise en place d'actions de développement à incidence très immédiate sur le sort de nos compatriotes, notamment les jeunes et les femmes. La poursuite de la mise en œuvre des réformes d'envergure, tant sur le plan institutionnel qu'au niveau des infrastructures économiques et sociales. Il est donc obligatoire que l'action gouvernementale soit orientée vers la recherche des résultats et axée sur l'urgence de la transparence. Quoi que nous soyons d'horizons divers, il est important de souligner à l'encre forte que nous formons une seule équipe. Une équipe dont la cohésion et l'efficacité dépendent du niveau de dialogue, de tolérance, de rigueur, de responsabilité partagée, de confiance mutuelle et de solidarité que nous adopterons et que nous devons adopter. Conscient de l'urgence moment, chef de l'État République l'a rappelé, nouveau équipe gouvernementale là, pays à Nanoyo, mission yo, c'est pour bailler résultat pendant la continuité de stratégie pour joindre plus de moyens pour répondre à l'exigence yo. Le premier ministre qui est le capitaine de l'équipe, moi, comme entraîneur, je suis là pour faire la stratégie. Le premier ministre, avec son équipe, est là pour gagner les batailles les plus difficiles. Le monde ouvert à la santé d'Haïti, au bonheur de ce pays. Cérémonie installation nouveau Premier ministre est déroulée en présence sociale de l'ancien Premier ministre, membres ancien gouvernement, quelques membres d'un grand commun État, familles, amis, approches, collaborateurs, chefs gouvernement. Député circonscription Gressier à Antonio Vériquin dit voter en faveur gouvernement Jean-Henri Seyan pour mettre l'ordre dans toute qualité des ordres qui gagnent dans la société à tant coup, insécurité, chômage, misère, grand goût et la trier. Député Vériquin dit attendre lycée ouais gouvernement agit vite pour résoudre problème ça. Moi vite aussi un extrait dans le micro Fedner confident avec Moïse Oulbouch. Nous voter, oui, parce que après plusieurs consultations que nous prenons dans la communauté, nous, après plusieurs chites à parler, nous rendons compte que le moment arrivé pour que nous votions. Parce que après deux mois, nous avons
pays a fonctionné sans gouvernement et chaque problème qu'on a adressé par un ministère, un responsable dit que pas de gouvernement, un démissionnaire, il n'est pas capable d'agir en conséquence, et bien nous-mêmes nous disons que le pays n'a pas qu'à attendre, donc le pays n'a pas qu'à attendre encore. Donc il y a une nécessité à ce que nous dotions le pays de une nouvelle équipe qui pourra aller adresser les différents problèmes auxquels fait face le peuple haïtien. Parmi les problèmes, nous citons dans le cadre national les problèmes d'insécurité qui fait rage partout et de sécurité à venir sous différentes formes. Nous croyons que faut une nouvelle équipe qui l'a mis des ceintures là et mis des pantalons dans le taille pour combattre les différentes formes de sécurité. Ça y est, gagner les problèmes environnementaux que le pays en général, mais en particulier Port-au-Prince, le département de l'Ouest en général a traversé. Et bien, pense que l'État et l'exécutif là doivent prendre les mesures appropriées afin que le porter solution à ces différents problèmes là. Nous disons que gagner des problèmes que moi-même particulièrement dans l'adresse moi avec le ministre de la Justice là, ainsi que le chef du gouvernement qui automatiquement le chef du gouvernement qui c'est chef de CSPN, non, nous adresser un problème de conflit terrien et qui au jour le jour a grandi en dans la commune Gressier pour dire que gagner plusieurs autres communes, mais moi-même, je parle en connaissance des communes que je connais bien. Il y a un groupe de citoyens, un ensemble de monde qui, à un moment donné, est capable de décider pour monter sur tel monde. Il y a tout qui prend des espaces qui appartiennent à l'État, qui sont des propriétés privées de l'État, et puis on monte sur eux. Donc, pense que c'est une vanne qui ouvre et que nous souhaitons une nouvelle équipe qui là prendra toutes les décisions nécessaires et imaginables pour résoudre. Problème, ça y est, qui a tracassé la population de Sion. L'autre dossier, dans la nuit de samedi 15, pour arriver dimanche 16 septembre, des agents police nationale, inspecteur divisionnaire Jean-Caïto Kasséus, et Jackson Corner mourir à balle après une bouche l'ouvrioté gagné, d'après porte-parole PNH là, Michel-Ange Louis-Jeune. Porte-parole PNH là expliqué, c'est dans échange tir, inspecteur Jean-Caïto Kasséus tiré sous Jackson Corner, et puis l'autre monde qui était avec Jackson Corner tiré sous inspecteur. Porte-parole PNH là pour plus explication dans micro Midray Milias à Didier Dieudonné. En milieu de la nuit, vers les 11h30, la police a été informée d'un incident qui est arrivé dans l'avenue Muller et Magloire Amboise. Et c'est deux policiers qui sont impliqués dans la situation. Ça. Et nous avons eu une discussion avec eux sur un problème de passage pour yon bay l'autre passé. Et puis nous avons eu un échange de propos. Et puis, échange propos a mené à échange de tir. Et voilà, malheureusement, tous les deux messieurs mourent. Inspecteur A, son inspecteur divisionnaire, qui est Kasséus Jean Caïto, 50 ans d'âge. Et monsieur passé plusieurs postes déjà. Et dernier poste, c'est direction circulation, quand il était affecté au commissariat de Delma. Il était responsable circulation dans la commune de Delma. Alors que, police, il y a agent police là, qui sont agents de et qui est les Corner Jackson. 34 ans d'âge, et monsieur sont un policier qui est en détachement. Donc, nous ne pouvons pas travailler même côté, peut-être qu'on ne bruit pas même contre l'autre même. Malheureusement, l'incident s'est arrivé, et commandement la police là a déploré la situation et couvrir le bien bas pour saluer la famille tous les deux victimes. L'idée que nous sommes capables de faire nous, de ça, c'est que le policier agent de l'un, il n'est pas pour compte. Il n'est pas pour compte lui. Et l'inspecteur a lui-même été pour conflit ou bien il était déposé de l'autre monde qui était ensemble avec elle. Et il paraît que le policier agent 2A, c'est lui-même qui est tombé en vent et que l'autre monde qui était avec commissaire, avec agent 2A, il a tiré sur son inspecteur. L'autre information dans le journal la député circonscription Cap-Haïtien Jean-Étienne exprimé préoccupation li face ak phénomène qui a développé dans zone nan côté gen nan yon famille gen 6 moun qui mouri. Finira moun sa yo chante dimanche 16 septembre lan parlementaire mandé la justice ak police nationale la prend responsabilité yo pour permettre enquête qui l'ouvri a abouti. Mwen vite au suivi. Son phénomène vraiment terrible. Et si on moun ta di pa bon préoccupation
total capital là-dedans, c'est pour pas avoir un citoyen. Et moi, je suis bien malheureux, c'est dans la circonscription là qui est passée. Et à mes fois, je me dis là, c'est pas une première fois. Et toujours tout à balle critique à responsable local. Et parce que faut penser à la famille. Et tu as souhaité que mon local haïtien prenne ça en charge, la vie de mon. Et demande toi à la commissaire gouvernement, à la justice. Et pour capable mettre en branle, pour capable chercher cause qui gagne. Parce que il pas possible, ou le bon matin, autant de trois moun moun non kay. Après deux ou trois mois, six moun moun non la famille. Et on dirait que moun nan zone ça, sur dans Blue Hills, c'est là ça passe plusieurs fois, tu apprends que son pratique et son mauvaise pratique pour la société. Hein. Et me déplore, l'équipement déplore, les populations capoisantes, je suis certain que tout le monde est en nord. Et ça fait mal, même à l'étranger, je donne feedback, côté que sous ce monde en nord, il n'y a pas de bons signes. Et je ne pas sentir à l'aise sur ces empoisonnements. Peut-être que c'est révélé, c'est toujours encore dans la nourriture, dans le jus, et son coup dur. Mais nous connaissons la ville du Cap-Haïtien, son ville hospitalière, son ville accueillante. C'était que c'est l'IPA étalé sur toute ville là. Et ça nous éradique, nous coupe la route. Et non seulement nous faisons sentimentalement, nous faisons avec la justice tout. Que le commissaire gouvernement, juge, Kazek, Azek, délégué de ville, mairie. Et nous cherchons une solution adéquate pour nous prêcher dans la famille, prêcher dans la radio, dans l'église, pour nous faire nous apprendre, respecter la vie, apprendre à connaître tout le monde, tout le monde à la vie. Et moi-même, selon le contact que je fais, on dirait que gagner d'avoir gagné. Et de l'arrestation, on dirait que parce que nous, le commissaire gouvernement ne veut pas vouloir faire non mounio, il ne veut pas vouloir dire à coup sûr est-ce que l'arrestation fait tout bon vrai. Mais comme c'est un enquête qui a mené, nous connaissons la peine d'enquête, il faut toujours gagner information de secret. Nous attendons pour nous garder dans les jours à venir, pour nous dire à la presse, pour nous dire à la population, et qui cause qui fait famille ça tomber, et si l'arrestation n'a pas si il y a une punition n'a pas. Mairie Port-au-Prince a travaillé pour renforcer la capacité dans le cadre de gestion FATRA. D'après porte-parole mairie Alwich Joly qui expliquait, l'institution a déjà gagné plus passé une quinzaine de camions pour continuer à ramasser FATRA et puis qu'un B commune dans propre. Porte-parole l'a rapporté plus loin, magistrat principal la Yuri Chevry, chita parlé semaine passée avec représentant mairie Minnesota. Discussion au Téchita sous accompagnement municipalité ça avec mairie Port-au-Prince là sous question gestion FATRA. La mairie est renforcée sans équipement. D'ailleurs, nous sommes le magistrat Richer qui a fait monter notre seul camion de campagne. Actuellement, nous avons environ une quinzaine, presque une vingtaine même. Et nous avons un don de ville de Miami avec laquelle nous avons un partenariat qui permet que nous soyons capables de commencer à répondre à besoin de la population en termes de services. Même si, ma propriété, le travail, ça pas travail à la mairie, c'est le travail SMCRS, mais étant donné que SMCRS pas fait travail comme ça doit, donc la mairie, lui-même, comme magistrat, c'est lui qui vient de ce là, prend toute disposition pour commencer ce travail, marcher pour un fatra, de porte en porte, camionio, qui passe peut-être depuis un bon bout de temps, mais qui a fait connaître sur direction magistrat. Gestion fatra dans la ville là, plus difficile que dans le quartier et résidentiel. Par exemple, nous avons marché, pourquoi pas ramasser fatra à souhait, puis demain matin, le jour à 8h, ou même niveau fatra. Brigade nous, on n'est pas en ville, c'est environ une trentaine de brigades que nous avons seulement, donc le travail est difficile, même si la police va accompagner nous, mais il est encore plus difficile pour nous arriver à faire travail effectif en bas de la ville. Il y a d'autres stratégies qu'on a mis en place dans l'administration municipale là, pour voir comment nous sommes capables de toucher cette ville de manière plus considérable et inviter du coup SMCRS à faire travail là, puis bientôt à collaborer avec nous s'il le faut, et il le faut, pour que le travail ramassage d'Odieu a fait bien. Le magistrat se fait en rencontre avec le sénateur Minnesota, accompagné de magistrat Olivier Collin, dans souci pour dans l'intercommunalité, pour faire un centre de décharge, côté que nous sommes capables de bien. Donc, une grande capacité pour nous gérer, trier et transformer les déchets. Organisation internationale francophonie OIF organisé un atelier de travail et formation sur cartographie numérique libre et géomatique libre lundi 17 septembre dans l'idée pour former plusieurs professionnels qui ont évolué dans le domaine. Moi, je vous souviens un reportage avec Darlene Dorival et puis Fresnel Toussaint.
Atterrissage a duré 11 jours seulement. C'est occasion pour l'Organisation internationale francophonie, OIF, former plusieurs jeunes professionnels dans le domaine cartologie et géomatique libre. Sur comment ils utilisent les données OSM et technique cartologie et les outils numériques. OSM, profiter faire connaître à travers projet ça, OIF viser renforcer capacité création, mais tout utiliser et valoriser bien commun. Yo. C'est un atelier en cartographie numérique libre participative du projet OpenStreetMap en géomatique libre et centré en fait sur le thème des données ouvertes. Globalement, il va permettre va se dérouler en trois temps, en permettant de pouvoir se renforcer techniquement sur la création de données autour d'OpenStreetMap, avec systématiquement des solutions techniques qui sont adaptées au contexte haïtien. Dans un deuxième temps, il sera possible de pouvoir travailler à réutiliser en fait ces données à travers des solutions libres pour que les participants soient capables de pouvoir produire leurs propres cartes avec des données OpenStreetMap, mais également en fait d'autres jeux de données disponibles sur Haïti et leur permettant de pouvoir donner une intelligence à cette donnée sur des thématiques ou des territoires qui sont en fait de leur intérêt. Et on a également tout un travail qui est prévu de par la manière dont fonctionne l'atelier, qui fonctionne sur une formation par le faire, en mode communautaire, de pouvoir préparer l'après-atelier de façon à trois types de participants en fait essentiellement. On a pour une part des membres du projet OpenStreetMap qui sont pour certains actifs depuis 2012 dans la ville en fait de Saint-Marc et qui sont déjà membres de ce projet, actifs en fait dans ce projet, qui forment en fait une base ou un composant communautaire. En fait. 11 jours travail avec formation sous cartologie et géomatique libre, ça allait dans le sens objectif OIM, dit la bras possible pour former société civile et secteur privé dans le domaine ça. Après un coup de pause, reste information, c'est pour tout de suite après. Dans la page internationale, l'armée syrienne l'a écrasée dans la zone de la Kayo. Il y a un avion russe qui a 15 militaires à bord, c'est Ilyuch 20, en défense anti-aérienne la Syrie, écrasée par IRS selon Moscou. Catastrophe s'est arrivée dans le moment où l'armée défense syrienne l'a tirée pour être capable d'intercepter missiles israéliens qui ont visé plusieurs dépôts de munitions dans la province de l'Artakie, un bastion président Bachar al-Assad. Toutefois, le pays Russie, c'est Israël qui a été chapeau à cause de terminer plusieurs tirs missiles bien avant catastrophe l'arrivée. C'est plus grave incident qui arrivait en déalliés depuis intervention militaire Moscou dans le pays Syrie pendant fin année 2015 pour épauler le régime Damas. Dans sport, ministre agriculture et développement rural, la Joubert Engrand installé nouveau ministre jeunesse et sport et action civique là, Edwin Charles n'a pas posté hier après-midi dans Range Croix des Bouquets. À l'étranger, Ligue des Champions, Liverpool, Paris Saint-Germain, c'est match choc pour ouvertir premier journée compétition ça, cap démarrer journée mardi 18 septembre 2018 là. Moi, vite au suivre. Nouveau ministre jeunesse et sport et action civique là, Edwin Charles, installé dans poste journée mardi 17 septembre 2018 là. C'est Joubert Engrand, ministre agriculture et ressources naturelles et développement rural, qui était possédé avec l'installation ça dans le local ministère Croix des Bouquets. Cérémonie a été réalisée en présence du directeur ministère Mario Florville, différents cas d'M. Sakla, famille et amis nouveau ministre qui remplaçait dans le poste Régine Lamur, qui n'est même pas présent dans la cérémonie. Dans l'occasion, nouveau titulaire ministère jeunesse espoir et action civique là, remercier le président de la République là, Jovenel Moïse, et le premier ministre là, Jean-Henri Séan, qui fait choix de lui pour venir occuper pour ça. Il fait connaître, il vient dans la tête ministère pour travailler, pour changer l'image de M. Sakla. Mais Edwin Charles a ajouté, il pourrait travailler avec la fédération et puis l'association sportive dans l'idée pour encadrer jeunesse et puis développer sport à travers le pays. Soyez donc rassurés, collègues en droit, de ma détermination à me mettre au service du pays dans un esprit d'abnégation, de loyauté, d'intégrité et d'humilité que je vous demanderai de transmettre au chef du gouvernement. Sous l'instruction du président de la République, son Excellence,
Jovenel Moïse et du Premier ministre, M. Jean-Henri Seyan. Nous allons exécuter les politiques publiques en matière de jeunesse, des sports et d'action civique. En vue d'offrir de nouvelles opportunités à nos jeunes, et ce, sur toute l'étendue du territoire national. Voilà, amis téléspectateurs, c'était toute information nous t'ai porté pour aujourd'hui. Nous t'ai pris un pile plaisir pour informer vous. Restez sous Télévision Nationale d'Haïti pour reste programmation. Bon après-midi tout le monde.